Ces individus ça, y aurait les avions qui t'a volé sans camper dans le département centre pays qui prend un atterrissage forcé, tombé, li pas levé. Après qu'aucune chaîne travaille ça, eh bien faut que moi dise ou magistrat ville Mirbalè a cementé. Eh bien peuple haïtien, territoire côté l'a dirigé a les papes ont territoire perdu. L'organisation RNDDH, une organisation soi-disant qui défend le droit de l'homme, une organisation droit de l'homme, alias droit des bandits. Je dis, on finit faire tout dégât social qu'on est supposé faire avec l'organisation bidon ça. Ou même ensemble avec Marie-Hélène Gilles qui a dirigé la fondation GPT éclairé. Je dis, ou pas capable de parler sur plateau Le Point, sur télémétropole, quand on vient parler comme un monde sérieux, pas un monde sérieux, dans un pays sérieux, déjà. Exactement. Nous ne savons pas pour qui secteur on travaille, mais nous déjà connaissons la patrie. On ne peut pas travailler pour bien pays. Parce que tout problème sécurité nationale, tout problème pays a gagné là, en termes de sécurité publique, plus précisément en police criminelle, ou c'est un monde qui cause, ou sont apatrides. J'en ai dit, nous-mêmes au sein de l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, je dis à celle pour tout le monde qui a une virginité sociale, tout le monde qui a une virginité sociale, c'est là ça peut parler. Parce que nous, pays à tout le monde sérieux, il faut être dans une grotte, dans un trou. Exactement. Il y a un vagabond pays à bambilé. D'accord, garçon. Nous toujours dit que l'une des raisons principales qui te fait nous fonder l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, en février 2015, c'est parce que nous te voyons que l'organisation droit de l'homme, ça yo, alias droit des bandits, ça yo, tant que RNDDH, cap dirigé par Pierre Espérance, Fondation GPT Clairé, cap dirigé par Marie-Hélène Gilles, moun sa yo, objectif yo, c'était affaiblir la police là. Fais des rapports, fais un paquet de vieux rapports, faux rapports, fais pression sous inspection générale de la police nationale d'Haïti, puis livrer policiers. D'ailleurs, le policier est avant tout un citoyen. Il joue de droit civil et politique. Sous son organisation, droit moun, mais policier a gen droit tout. Mais je dis, on a tellement fait des gars. Non, premier temps, c'est ce soir, agent de police, on a fait des gars. Ouais, je dis, même moi, si chef de police, obligé à dénoncer, il est en trop tard, parce que des gars ont fait, on a ravagé le pays. Exactement. Tout problème sécurité nationale que le pays a gagné là, côté toute famille haïtienne divisée, nous, comme si nous retournions dans l'esclavage, maman, papa, petit, chakombo, ou c'est un monde qui la cause. Non, pays sérieux, on n'a pas venir parler sur le monde. Jamais. Non, pays sérieux, on n'a pas de bon côté pour parler. Oui. Ou sont complices. Même je vais citer l'autre non paquet de nègres qui bandit dans le pays ou sont gros bandits tout. Pas oublier qu'on ou crase une institution républicaine qui est la police nationale d'Haïti ou affaiblir institution avec une organisation bidon ou aller sur plateforme Le Point ou pas de penser bien on connaît Wendell Théodore son journaliste avisé éclairé. Exactement. Koto dit ou te travaille avec la police. Qui koto? Ou pensez que moun nan pays qui est amnésique? Mes amis. Ou son qui anti la police nationale d'Haïti? Oui. Et puis organisation, non, son organisation Kaka Jaco. Ou bon, li nan tout sauce. Li nan politique, li fouye bouche nan tout bagay. Jodi, il faut que moun sérieux qui gagne vigilance sociale. Il faut parler avant. Jodi, c'est là pour tout moun gagne vigilance sociale. Tout moun gagne vigilance sociale, yo vinn parler dans pays a. Nous pas ka livrer pays a bay vagabond. Vagabond c'est vagabond lié. Quel t'a habillé, quel t'a sapate. Nous même nos organisations Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti VAPONA. N'a profiter dire que nous pas oublier ce qu'on fait. Nous pas oublier ce qu'on fait pays a. Ces mêmes gens, dernièrement nous t'avons parlé. Nous t'avons parlé avec le Premier ministre Joseph Jout, qui t'a causé dégâts sociaux pâles. Soi-disant, il était président du Conseil supérieur donc de la police nationale d'Haïti, CSPN.
en direct. On ne doit pas les nationales. Les campés, les blasés, un chef police. Oui. Ex-commandant chef donc de la police nationale d'Haïti. Aïe, 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 mon cher. A mon passé misé en bas, mais va bon ça, yon vrai, oui. Aïe, aïe, aïe. Où songez, bah, yo. A mon passé misé. A mon passé misé, papa, ici. Aïe, yon, je n'ai pas connu pour qui ça. Ou n'a gote raï, normal, Ramo, comme ça. L'inspecteur général de police, Ramo Normil. Exactement. En direct. Li blason chef police. Kounya jodi a la vin di konsake aussi Ramo Normil te commandant chef police. Yo va tap manje président à pain. Eh bien. Yo tout te la. Yo tout te la. Yo tap fè gang tout kote. Yo tout te la. C'est même yo même nan. C'est même yo même. C'est toujours konsa. Et même yo même nan. Parce que façon Normil Ramo te kampe, pepa ici. Yo wè un ba la pap ka fèt n'importe comment. Ou pas ouais ça joute te dit dernièrement joute d'où comme ça que les opérations d'après le fait dans village il pas au courant chef CSP nous s'il vous plaît il pas au courant il pas de compte bagaille comme ça après assassinat Jovenel Moïse hein mini justice là t'es barré toute rentrer ti la pli rentrer ils ont n'ego pas ca bouger il révoqué la mission fin révoqué. Dans même jour soir, Premier ministre Baylord, eh bien, Bazitil a pli débloqué. Tout compte de sorti. Gang yo à l'aise. Et je te dis, il parle ensemble avec 600 000. Il pa pas perdre un grand citoyen. Eh bien, il n'a pas perdu citoyen, mais citoyen, il va prendre territoire. Kounya. Va cabo yo. Ex-premier ministre Jout, dégâts sociaux qu'on te créé, dégâts sociaux qu'on te fait dans le pays, ben nous prenons notre. Yo était là. Même j'ai avec sénateur Moïse Jean-Charles, en pleine séance au Sénat de la République, li campé, li blason chef police, ex-commandant chef police, Gosson Aurelius, au carriériste en dans la police nationale d'Haïti. Au sénateur de la République, nous convoquons un commandant chef police qui gagne des milliers d'hommes et de femmes sous commandement, sécurité pays à Soudol, nous avons façon pour ne pas laver. Il y a des bagages que nous avons besoin de reprocher, nous avons fait ça à huis clos. C'est parce que nous n'avons pas d'étoffe d'État, nous n'avons pas de comportement, nous n'avons pas de pli, nous n'avons pas de standing. Nous n'avons pas de pli, nous n'avons pas de gang, nous n'avons pas de plaisir tout. Bonjour, nous n'avons pas de bail là, son message, nous n'avons pas de gang là. Même Jean-Aristide Tefel, à Paltera, la police mette campé sous stand ensemble avec gang pour. Fè ou bay la mais pour yon fè la paix. Qui rapport qui gagne ensemble avec gang avec la police? Celle-là yon te besoin rive ensemble avec nous. Garçon. Comment sa société haïtienne li rete les vapeurs et quoi c'est ton non? Oui. Eh bien, nous pas respecter science qui est la sociologie. Exactement. Comme nous même haïtiens, nous choisissons qui est pour nous connaître la science, qui est pour nous pas connaître la science. Comme si nous t'apprêté pour nous badiner, nous faire badinage avec un pays, et puis nous pensons que le pays a, et comme si le pays a pas évaporé, non, mais nous te quoi c'est ton? Effectivement, chef Pam. Eh bien, mon frère, Pierre Espérance, pas pense au son monde sérieux. Ok? Mettez dans tête tout que la nation pas pour être sérieux. À travers une organisation bidon qu'on monte, par contre, qui est-ce qui est dehors? Par contre, qui c'est que tu as travaillé, mais nous tous haïtiens nous connaissons la patrie d'où. Tout gros problème pays a gen là, ou est famille. Maman, papa, petit divisé, chacun vivant côté. Pays a gangsterisé. Pays a banditisé. Nous vivons dans le pays a ce qu'on pourrait appeler le gangsterisme d'État. Le banditisme d'État. Eh bien, ou même, ou c'est un monde qui cause. Ok? Ou sont destructeurs, ou même ensemble avec Marie-Yolène Gilles. Effectivement. Prenez son habité social, nous. Mais pour ça, nous travaillons. Je dis pas qu'à regardez, en matière policière, les preuves sont là. Ou travaille pour te affaiblir la police, pour te faire bandit priorité dans le pays. C'est ça qu'on fait. La police nationale affaiblit. Et bandit lui-même, c'est lui qui a dirigé le pays. Nous vivons là dans le pays, ce qu'on pourrait appeler le banditisme d'État, le gangsterisme d'État. Et bien, pour sortir de travail. Ok, l'histoire va juger où. N'a profité dit Pierre Espérance
qu'en matière policière, la responsabilité est personnelle. Il faut prendre responsabilité sociale pour la destruction sociale que fait dans la société haïtienne. Jodi a là, le plus gros problème du pays, c'est la sécurité nationale. Tout le monde menacé. Haïtien, comme si j'en avais là, nous retournons dans l'esclavage. Chaque monde en bas. Maman en bas. Papa en bas. Petit en bas. Ça passe domaine, yo Canada. Ça pas Canada, yo États-Unis. Chaque monde en bas. Séparation familiale. Même les gens qui vivent dans le pays, des grands commis donc de l'État, mais qui regardent dans la police, madame yon bon, petit yon bon, ne yon pas yon contrôle la kayo. Eh bien, qui est-ce qui cause ça? Nous avons toujours un problème politique en Haïti. Parce que j'aime pas un problème politique. Nous-mêmes, la génération 70 ans, les gens qui fait dans l'année 1970-79, plus gros problème pays a sous nous commencer. Nous ne pouvons pas finir, soit en une fille. Nous ne pouvons pas finir l'année à l'école. Vieux tourner son coup d'État, mais pays a, famille haïtienne était toujours là. Nous habitués à des problèmes politiques. Mais cyclone ça, cyclone social ça, qui a passé dans le pays là, nous ne pouvons pas rien. Le pays n'a pas de arrivé à un niveau comme ça. Ça fait que nous avons un problème de sécurité nationale. Eh bien, une institution qui est la police nationale d'Haïti, qui soi-disant est là pour la sécurité, pour protéger la vie, moun, bien moun. Eh bien, où est mouton organisation? M'bakon qui est-ce qui voye ou, m'bakon pour qui est-ce qui travaille, mais nous-mêmes haïtiens, nous connaissons où sont apatrides. Parce que l'organisation là, lui cause beaucoup de torts sociaux à ce pays. Organisation là, son destruction sociale li fait. Ou même avec Marie-Hélène Gilles. Parce que nous tous les deux, c'est Bob c'est Bob et Baba Campagne nous. Même si vous n'avez pas connu si c'est à l'aise, si c'est calmement économique ou bien à l'aise financier qui est divisé, nous chaque fois bon, mais nous tous les deux, c'est nous marchons de pair. C'est Georges et Baba Campagne. C'est 50 copes avec deux goudets. Jodia, ou pas capable de parler sur le point, sur un grand plateau national comme ça, hein? Pour avoir une trouble vigilance, moun toujours. Faut prendre responsabilité sociale ou. Faut prendre responsabilité sociale ou. Société haïtienne est évaporée. Donc, quoi c'est ton? Et bon, c'est un moun yo, c'est un acteur yo. Parce que, ou mette organisation bidon qui est le RNDDH, une organisation soit des qui défend droit moun, alias droit des bandits, ou affaiblit la police nationale d'Haïti. Ou pas qu'on a rien, ou pas aucune formation policière, ou pas qu'on a rien dans la police. Ok? Ou pas qu'on a rien dans la police. Si on demande au Pierre Espérance, en matière policière, quels sont les quatre niveaux de force en yon pas qu'on est? Et même quatre jours, oui. Comme vous avez fait causer des dégâts sociaux, yon pas grand cap fait encore. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Un premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle à main douce, contrôle à main dure. Troisième niveau de force, bâton, gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, policier a dégainé le prend position 4. Un policier pas tué un monde. L'estopper un suspect qui t'a commettre une action soit qu'elle mette vie au monde dans population en danger ou bien vie population ou bien vie policière en danger. Est-ce qu'on maîtrise les quatre niveaux de force en matière policière pour rédiger des rapports contre la police contre des policiers ou pas qu'on a rien dans la police? Qui sont qu'on est? Est-ce qu'on connaît les éléments basiques en maintien de l'ordre? Simo, c'est une unité de police qui spécialise en maintien de l'ordre, en police anti-émeute. Simo son sigle qui signifie corps d'intervention et du maintien de l'ordre, donc de la police nationale d'Haïti, qui sous tutelle de la direction centrale de la police administrative de CPA, donc de la police nationale d'Haïti. Qui compte te chita ou te prend formation? Qui sont qu'on dans la police pour prédiger des rapports? Rapport qu'on a prédiger contre policiers, est-ce qu'on compte qui force policier a été utilisé?
Parce que toute force policière utilisée doit être proportionnelle. Est-ce que la police a commis une action? Est-ce que tu as une force pas proportionnelle? Bon, parce qu'on a rien dans quatre niveaux de force. Les quatre niveaux de force en matière policière, est-ce qu'on maîtrise ça, Pierre Espérance? Ou pas qu'on a rien? Ok? En métier de l'ordre. Qui sont qu'on est en métier de l'ordre? On dit que si moi, allez faire une intervention, une manifestation. Avant si moi, faire une intervention, ils font une formation. Première ligne, c'est l'élément d'attaque. Deuxième ligne, c'est l'élément d'appui. Ligne qui n'a mis tant l'élément d'épi. Ensuite, il y a les sûretés latérales et sûretés arrière. Moun kap commandé à le chef d'équipe. Li capable un inspecteur de police ou bien un inspecteur principal de police ou bien un inspecteur divisionnaire de police. Li gen pou bay 3 sommations policières. Pour dire la police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. La police mande nous pour nous déplacer. Si on va déplacer avec 3 sommations, eh bien, il dit chargé. Est-ce que on connaît sacré les yon hè simple ou bien yon hè double? Pierre Espérance, ou pas qu'on a rien? C'est ça dans le pays, c'est vagabondage ça. On est resté là, les moutons ont une organisation politique, une organisation bidon pour faire Berli. Après, dit, j'ai des rapports contre une institution républicaine, il n'y a pas aucune formation policière, il n'y a pas aucun séminaire qu'elle prend. Il affaiblit l'institution, il crase jusqu'à ce jour-là, le pays a banditisé, le pays a gangstérisé. C'est le gangstérisme d'État. C'est le banditisme d'État. Et puis je dis à vous, camper dans le figure monde pour venir paraître tête ou comme un monde qui a un comportement de bon enfant. Nous-mêmes, au sein de l'organisation Vétérans et Amis, donc de la police nationale d'Haïti, nous ne pouvons pas pardonner ce qu'on fait pays. Nous ne pouvons pas pardonner ce qu'on fait la police nationale d'Haïti. Nous ne pouvons pas jamais capable de faire les forces armées d'Haïti ça. Comme pays, je dis à ces vagabonds qui ont mené. Oh bonjour, mon série amené. Parce que le pays n'a pas de arrêter comme ça. N'a pas qu'on est Pierre Espérance. L'une des raisons que nous-mêmes, des anciens policiers nationaux, donc de la police nationale d'Haïti, qui vivent dans les communautés de la diaspora haïtienne, plus précisément à New York, la raison pour laquelle que nous avons fondé l'organisation Vétérans et Amis, donc de la police nationale d'Haïti, VAPONA, en février 2015, à New York, c'est parce que nous avons remarqué que la police nationale d'Haïti est une force de police orpheline. Nous avons remarqué que vous-même, Pierre Espérance, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui a dirigé la fondation GPT Clairé, et bien c'est nous avons utilisé la police pour nous faire burn nous. Son petit parti politique, une petite organisation politique, une organisation bidon que nous montons, alias Banque Nationale de Crédit, pour nous faire beurre nous sous la police, jusqu'à ce que nous arrivions à affaiblir la police là. Jimmy Cherizier, qui sont anciens policiers, qui t'a affecté dans l'unité départementale de maintien de l'ordre de l'Ouest, UDMO, de la police nationale d'Haïti. L'idou, ça fait côté lié là, ça fait le campé là. Est-ce qu'on remarque qu'il y a des dégâts sociaux que vous causez à pays? Aujourd'hui, on ne peut pas venir parler de tout comme monde de bien. L'une des raisons principales qui t'a fait fonder l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti, c'est parce que nous te voyons que dans l'annexe de passé là, RNDDH qui dirigé par Pierre Espérance, fondation GPT Clairé qui dirigé par Marie-Hélène Gilles, moun sa yo, c'est un coup son petit parti politique qui fait alias Banque Nationale de Crédit, puis ont fait beurre sous la police nationale d'Haïti. N'a pas gardé interview ça côté Pierre Espérance sorti pour troubler vigilance Wendell Théodore qui c'est un gros journaliste dans pays hein, qui gagne un gros plateau, l'a vienne sous plateau ça obligé par les vérités. Mais gros bagaille que Pierre Espérance pas connaît. Wendell Théodore c'est un monde qui sous forum WhatsApp de l'organisation Vétérans et Amis donc de la police nationale d'Haïti Vapona côté qui gagne tout haut gradé
tout recommandement la police là, tout recommandement élargi la police là. Cela veut dire que des informations qui véhiculent, informations qui professionnelles, qui parlent de la police nationale d'Haïti, qui parlent de structure administrative et opérationnelle donc, de la police nationale d'Haïti. Pierre Espérance, c'est un monde, ensemble avec Marie-Yolaine Gilles, c'est un monde qui cause un paquet de dégâts sociaux dans le pays. Je dis, ni Pierre Espérance, qui a dirigé RNDDH, ni Marie-Yolaine Gilles, qui a dirigé Fondation GPT Éclairé. Donc, il faut prendre responsabilité sociale dans tout dégâts social que vous causez dans le pays. Jodi a, joue pays est là. Côté, c'est le banditisme d'État, le gangsterisme d'État qui a dirigé. Eh bien, moun sa yo, yo cause explosion sociale ça. Jodi a, Pierre Espérance pas qu'a vienne parler comme un monde sérieux. Non, ni Marie-Hélène Gilles tout, moun sa pas qu'a vienne parler comme un monde sérieux. Parce que, ou pas qu'a une organisation soi-disant droit de l'homme, alias droit des bandits. Nous faisons tout le temps nous que nous avons affaibli la police nationale d'Haïti. Sans pour autant que nous n'avons pas aucune formation policière. En matière policière, il y a quatre niveaux de force. Premier niveau de force, la présence de l'officier, la commande verbale. Deuxième niveau de force, contrôle à main douce, contrôle à main dure. Troisième niveau de force, bâton, gaz lacrymogène. Quatrième niveau de force, la force mortelle, ou proposition 4 ou dégainer. Policier pas tué moun. Policier a stoppé un suspect, soit qui t'a causé, mette vie en moun dans la population en danger, ou bien mette vie policier en danger. Est-ce que Pierre Espérance, soi-disant, au moun qui a dirigé une organisation droit de l'homme, alias droit des bandits, ensemble avec Marie-Hélène Gilles, qui est en fondation GPT Clair, parce que j'ai moun sa yo, l'éclairer le pété. Jodi a, l'île est le temps pour les gens qui ont virginité sociale. Moi-même, j'ai virginité sociale, moi m'a parlé. J'ai maturité matrimoniale, moi, et j'ai majorité matrimoniale, moi, tout. Vous comprenez, j'ai le droit de naître social, moi. L'île est pour les gens sérieux parler dans le pays. A. Nous suivons, nous-mêmes, au sein de l'organisation, vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, nous suivons attention, avec attention. Interview que Pierre Espérance qui a dirigé RNDDH, une organisation soi-disant droit de l'homme alias droit des bandits, qui vient causer un paquet de dégâts sociaux. Je veux dire, la vie ne paraît tant qu'on y a, je veux dire, la vie ne s'est adopter un comportement de bon enfant. Nous ne connaissons pas pour qui secteur que on travaille, mais nous connaissons pour qui on travaille pour le pays. Parce que ouais, dégâts social ça a qu'on fait dans le pays. Tout abus ça a qu'on fait, tout menti ça a qu'on fait sur un paquet de policiers jusqu'à ce qu'on affaiblisse la police nationale d'Haïti. Ou pas capable de faire les forces armées d'Haïti ça. Il y a un policier qui est Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Monsieur Kabe plusieurs fois, il dit que lui-même, il est crime la police nationale d'Haïti en pile. Et l'on a regardé, monsieur a un tatouage sur lui qui écrit PNH. M pa placé pour mal faire un mal faire étude pour m'entrer dans l'hôpital monsieur ou bien m'entrer dans quel pour continuer la police mais matière policière preuve son gros bagaille monsieur gon tatouage sur lui monsieur dit que c'est Pierre Espérance qui te font faux rapport qui fait le sortir dans la police nationale qui vient métamorphoser côté là le camper là mais un policier comme ça ou pas penser. Si Nexa était dans la police, c'est un grand policier. C'est un libérateur dans l'autre camp. Eh bien, je dis, en pile de monde, tu as tout dégâts RNDRH qui a fait dans le pays. Pas de gens dit rien. Parce que c'est agent seulement qui est une victime. Vous comprenez, c'est agent de police seulement qui est une victime. Eh bien, je dis, ouais, même mon ex-commandant chef de police, même lorsque M. vient dénoncer ça trop tard, même mon ex-commandant chef police, ambassadeur Léon Charles, l'oblige à dénoncer Pierre Espérance pour comportement qu'elle gagne. Vous comprenez? Je continue à voir ça parce que je ne veux pas trop long. Je veux que pour tout le monde entende voir ça parce que c'est son voice qui est très important.
jodi a li lè li temps pour tout le monde gen virginité sociale dans pays a parler, parce que son pays qui est infesté par des vagabonds de tout acabit. Bagay yo papiti, non papa ici. Bagay yo papiti. Ou équipe vagabond kap monte de son. Hein? Espérance ou ap gade la, c'est pas n'importe qui. Espérance, aïe aïe aïe, ils sont experts, papa ici. Non fait diversion. Oh, monsieur fort. Moi même c'est l'argent, ou te yon ka jovenel la, map ton ni. L'argent, plus passe 50 combien millions de dollars. Yo te ramasse, bad, yo te met nan machine. Faut nous baye gout l'argent, nous coquen trop. Nous coquen trop. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Ariel Henry, dans le pays, eh bien, Guyane, là, elle participait dans la 46e réunion, et CARICOM. Donc, dans la réunion, si là, il y a premier ministre Antigua et Barbuda, qui c'est Gaston Brown. Eh bien, il y a Diana Boulfigui, Ariel Henry, il dit, Ariel, retirez quoi dans tête pays, pour permettre une transition politique qui faite, pour que vous capable de jouer une solution crise, là. Parce que ou même ou c'est principal obstacle qui empêche pays à faire progrès. Na va sorti na fait noir nous mal 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 faut vous choisir que be pays ya na pou yo gen pouvoir et gen franchise tout partout yo fait la loi et yo kembe tout pou yo net
Yo banlieue bandit, tchoul bourgeoisie. Lè yo en vie, fait nous pas capant la vie. Yo qui est pouvoir et yo qui est tout fouillonnette. Yo pis à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a pour dénoncer. Si zè pouvoir yo. Yo pis à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a pour lever. Campé dans l'isien bourgeois. Ben pas j'en t'a fait de voir nous. Nous l'est. Oui, nous l'est. Physiquement, mentalement, nous l'est. Nous plus l'est. Et nous l'est. Nous l'accueillons. Civiquement, moralement, nous l'est. Oui, nous dans ton pays, et puis au doux et obstacle à la traka pour la vécaïté. Bon, frère, c'est ça bien aimé, il y a un pays Bénin qui proposait pour le voyer un total de 2000 garçons, hein? Beaucoup de garçons. Pour y avoir 2000 soldats dans le pays d'Haïti dans le cadre de déploiement, mission multinationale soutien sécurité. C'est ambassadrice pays les États-Unis, dans les Nations Unies, qui c'est Linda Thomas, qui révélait information d'après diplomate là. Dirigeant CARICOM a montré nécessité pour que plus force francophone dans mission ça. Madame Thomas fait déclaration ça pendant qu'elle prend la parole après avoir fini de rencontrer ensemble avec toute dirigeant Caraïbe, cause yo pas petit. Mes chers compatriotes, ou est dans la vie, tenez bien. De pour ouais. Ou pas qu'à focus par exemple pour gon kay. Kay là, ou pas qu'à focus pour dire mais qui ça m'a mettre là-dedans? Mais qui ça me pas mettre là-dedans? M'pap empiler kay là avec un paquet de bagaille que m'pas besoin. Depuis ou va ramasser bagaille tout côté. Ou ap chèche ti bagay ki pa chè. Ou pa décide travail, ou pa décide faire effort. Ou ap chèche ti chan pendant dernier niveau yo. Et puis ou ap metan dan kay la, ou ap saisi wè. Kay la foul ensemble avec bagay, mais youn pa vou lot. Tande bien sa mdou la. Lò pa chèche bagay de qualité. Ou ap chèche bagay ki ba prix. Ou ap chèche tout chan pa pou metan dan kay la. Parce ou pas vle dépenser un gros cob m'pa vle l'acheter tel bagay ou pas senti nécessité pour faire effort pour chercher bagay de qualité c'est tout petit intérêt ramasser
Tout côté ou ap vann titre tin ba pri ou la ou ap ramasse beauté ou ap saisi wè ka la foule ensemble avec bagay, mais franchement youn pa volot. Et à chaque fois ou ta capable di ou ap ramasse bagay mette deyò ou ap jete ou ap nettoyer, on dirait chaque quantité ou retire ou ka la pipe plein toujours. Parce que ça qui passe, ça qui en dans la youn pa itil lot. Son paquet bon champo, son paquet bon tinté, et dans la rue tout, ou ap continue ramasser, donc kaila pa jam vide. Le gon moun ki vin la kayou, ou gen pou ap chèche un bon bagay, ou maton ka leve, ou ap chèche un bon bagay pou mettre sou, un bagay de qualité ou pa ka jwenn, on gren, parce youn pa itil lot. Et bien mes chers compatriotes, c'est ça qui a passé dans le pays d'Haïti là. Là, on pas décidé de prendre responsabilité pour mettre sécurité la caillou. Là, comme ça, on va mener chercher tout côté parce que ou pas voulez prendre responsabilité pour dire, mais comment me décider faire pays? On va chercher si aide tout côté, si aide manger, si aide sécurité, si aide éducation. Tout si aide, tandis que l'argent qui est la caillou, t'es capable d'arranger ou dire, mais qui ça me voulait? Ou pas décider faire ça, responsabilité ça, ou pas voulez prendre? Eh bien, tenez bien. À chaque groupe soldat qui débarque sous territoire, yo débarque ensemble avec yon énergie. Ça capable brivé. Énergie yon pote ya, c'est pas li ou gen sous territoire. Donc, ça pral fait plus sans verser toujours. Et là, yon pral le carrément, yon quitte force yon sous territoire puisque yon couche à femme, yon couche à garçon. Yon quitte petite. Donc, chaque sa yon son nation qui kale sous ti bout de terre. Et ou capable gon série de nations sous la terre yo pas accepté mêler ensemble avec l'autre monde, c'est pas pour sans raison yo konn ça va régler. Gayé gros secret dans ça peuple haïtien, gon série de nations sous la terre yo pas accepté mêler ensemble avec l'autre, c'est pas pour sans raison. Oui, des fois nous qu'on a dit c'est racisme, yo konn pour qui raison yo a fait ça. Parce que à chaque force, yon l'autre équipe moun rentre sous territoire et un bagay la change carrément. Immédiatement wap fix, immédiatement wap mix, pardon, moun, et bien carrément gon l'autre force, gon l'autre énergie rentre. Donc nan sens ça, lèk ou pas concentré ou pour que ou pren responsabilité ou pour dire mais qui ça me vle, mais comment me vle kay mwen range. Mais comment me voulez pour bagay yo et mais comment pour fonctionner ou décider ramasser tout ça l'on prend en rage hein pour venir mettre en bagay la wap empiler wap mettre fatra sous fatra fatra sous fatra et bien wap saisi ouais gon maté wap levé wap perdi dans fatra yo gon maté wap levé wap perdi dans rayon yo parce que rayon qui en bagay ban nou plus rad qui pendje nan ti code ça qui nan seso youn pa volot gon maté ka privé wap perdi dans tout rayon qui en dans kay la. Donc dans sens ça peuple haïtien, les forces a débarqué dans pays, soi-disant a vinn mettre sécurité puisque c'est pas première fois ça fait dans pays d'Haïti. Nous gè plus passé 34 ans c'est comme ça bagaille a fait et chaque équipe ça qui débarqué, yo débarqué ensemble avec yon énergie, yon force vini sous territoire. Donc kounya la, force qui a gè pour débarquer si toutefois ça t'a fait, Kenya vinn avec pal. Bénin a vini avec pal. Jamaïque a vini avec pal. Chaque a vini ensemble avec payo. Et gen kote gen kob. Aïe aïe aïe, ti mesdames pral pran plaisir. Jeune garçon tout pral pran plaisir parce que de nos jours peuple haïtien, lorsqu'on ti moun et jan mon tap viré là ou pa ka di mais qui ça la pied de mais. Donc, et gen ti moun tout qui nan ba yo, gen jeune garçon, jeune femme qui nan trip sim, ouais, double sim, sim ap doublé, la bouillie cabrit sauce sauce et mango ap fait, la bouillie poisson ap fait, tout bagay mélangé pendant dernier temps là. Donc nan sens ça, sous territoire là, ap gen plus abomination, plus péché, plus bagay ap mélangé parce que trop énergie croisé. Donc n'a plein de broté tout côté. Vin vide la caille nous. Donc mes chers compatriotes, li important pour que journée aujourd'hui nous comprenne situation et chita pour nous débarrasser caille là. C'est pas beau te venir pour faire bagaille changer. Mais les que wap changer meuble dans caille, c'est pas à l'acheter meuble la vin mettre avant même ou changer sac dans caille là nous. L'essentiel c'est mettre sac dans caille là d'ailleurs, c'est débarrasser caille là net, c'est sac supposé fait. C'est pas aller chercher vin mettre pour résoudre problème qui est dans caille là non.
Ça pas bon. Mais l'essentiel, c'est broter tout ça en dedans kaila, mettre au dehors, nettoyer kaila, de en lait jusqu'à à tête de A à Z ou clean kaila papa ici. Et l'on fin clean kaila ou kaila vide le ça, t'es tout clair ou dit mais qui ça m'bral choisi bien avant ou te gete choisi ou dit mais comment m'bral acheter kounya là pour mettre. Mais si que nous choisi qui te kaila rempli ensemble avec politicien gang. Rempli ensemble avec fatra, rempli ensemble avec corruption. Rempli ensemble avec nèg qui fait partie des secteurs privés qui finance gang. Et puis nous pensons nous bral down l'autre solution. Hein? Nan l'acheton solution ba kon si c'est sous Amazon ou bien sous comment ti app sa rele pa vann chez même Timou oui. Ba konne si c'est là nous bral acheton solution pour nous vinn mettre pendant qu'elle a plein ensemble avec Fatra. Et bien, c'est laver merci à te. L'essentiel, c'est débarrasser Kaila d'abord. L'essentiel, c'est éliminer politiciens corrompus vicieux. L'essentiel, c'est éliminer nèg qui finance gang. L'essentiel, bourgeois corrompus vicieux à fond de son exemple sous lui. Donc, si c'est pas ça, nous fait, n'allez chercher une équipe vin mette là. Et bien, peuple haïtien, youn bral entre dans l'autre, youn bral influencer l'autre. Donc, situation, pas jamais changer. Ou qu'a pensé? Et bien, on vini ensemble avec nouveau meuble. Que quelques petits tintins on voit sous côté c'est ça que solution non Kaila toujours bourré l'essentiel peuple haïtien c'est chercher piquao chercher pelou chercher manchette tout chercher bourré tout chercher bouteille qui au linou c'est nettoyer pour nettoyer Kaila d'abord débarrasser le net flanquer toute fatra dehors et puis pour nous dire mais qui ça mais qui plan. Eh bien, nous prenons l'établi pour nous dire, mais comment pour Kaila fonctionner, mais qui s'expose gen dans tel coin, mais qui s'expose gen dans tel coin, mais comment vle Kaila arranger. Mais si toutefois nous quittons là avec toute fatra yo, eh bien, nous achetons vin mette, c'est lave messi à te, n'a songe m'te dit nous ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous avons avancé ensemble avec information yo, faut que moi dis ou. Eh bien, geye, directrice caisse assistance sociale, alors, ancienne directrice là, qui c'est Edwin Tonton. Bon, madame, ça, chaque semaine, où il devant juge? Quand j'ai la justice puissante? M'sais si oui. Quand j'ai la justice puissante? Quand j'ai la justice puissante? Chaque semaine, madame, ça devant juge, oui. A pas gué juge dans le pays, hein? M'a pensé ça. Oui. Chaque semaine, mon Dieu, madame, dans devant juge. Tenez, mes chers compatriotes. Eh bien, hier, madame, dans devant la justice encore. Pendant l'audition, l'ancienne directrice caisse assistance sociale, là, dans la cour d'appel, fait qu'on est, li kon recevoit un salaire de 81 000 goud par mois. Ça, c'est l'argent. Li touché. Ça, c'est l'argent. Elle a le travail, ça, c'est salaire, le pas ici. Mais, li recevoir 60 000 goud sous, alors, 600 000 goud, pardon. Li recevoir 600 000 goud sous 4 débili. Bon. Qui côté li fait l'agent ça? L'agent ça, c'est pour qui ça? Bon, bah, koné. Et non seulement ça, tout le recevoir 225 000 goud pour gaz. Ça veut dire, ça l'a le peuple haïtien. L'agent madame nan a touché pour gaz. Par mois, li dépasse salaire, li plus passe deux fois salaire carrément. Est-ce que vous avez une corruption en puissance dans le pays d'Haïti? L'agent gaz, madame, maintenant la machine, m'a dit pour qui service, bébé haïtien, li dépasse comme l'a touché par mois. Bel business, oui, bel l'État. Li touché 81 000 goud, mais comme gaz là, c'est 225 000 goud, peuple haïtien. Oh oh. Et même, j'en somme avec la douane. Vous savez, des gens qui bataille pour tomber la douane. Dans 3 mois, vous construit un caillou. Dans 3 mois, vous avez 6 machines. Vous avez volé, vous avez fait. Et combien de gens ont touché 20 000 goud, 30 000 goud par mois? Tandis que vous avez touché 20 000 goud, 30 000 goud par mois, et puis vous avez 6 mois dans la douane, vous avez construit 20 caillou. Li gen ta gen 5 machines. Li gen ta gen business panneaux solaires, batterie, laptop, la vente. Voler. Majorité à jadouane, c'est voler. A vin kale m'voye manda, bon, m'voye voler nous. Eh bien, papa ici, juge dans la cour d'appel dit, mais nous pas comprendre. Comment Kob, qui sous 4 débits, est capable de dépasser salaire directrice là chaque mois? Est-ce qu'on a l'autre business?
Pour justifier chiffre là, vous connaissez, échappé. Ancien DG CAS a déclaré, selon la loi finance 2021-2022, les voleurs comme ça, vous êtes en fond, vous font loi, oui. Ah, vous êtes intelligent dans voler. 2022-2023, 4 débits à pagé, un yon pour ensemble avec salaire fixe. Même si chaque mois, te gagné 5 millions de gouttes qui tombent, puis m'tap touche 25 000 gouttes pagé pour dans ça. Madame Tonton qui m'a demandé de lever, s'il vous plaît, elle n'est pas capable encore, pour le cas aller à l'hôpital. Parce que, depuis moi, j'y ai le pas règle. Qui t'a mêlé nous, Gwadjeo Metroupedi? Aïe, avocat, oui, dit pour dire ça. Parce que, juge la pas qu'on gagne règle, depuis le pas règle, il faut aller à l'hôpital pour le compte salgé. S'il pas fait kiss dans la prison, il a fait kiss. Eh bien, ou bien tout, il n'a pas mettre chapeau. Là, il fait fret dans la prison, hein. Et puis, vente li gonfle. Là, elle fait chaud tout. Hein? Il va mettre chapeau, là, elle fait frette, il va mettre chaussette. Ah, vrai, papa, ici. Est-ce qu'on t'en est décausé dans le pays, ça? Est-ce qu'on t'en est décausé? Donc, madame tonton, dit Gisla, tant que grandement t'as dit Gisla, et dit Gisla, le power regli. Eh ben, j'ai, où est-ce que vous, Gisla? Hé, hé, il dit Gisla, le power regli. Yo, coquet, yo, madame, yo, bati vente. Hein? Mes chers compatriotes, c'est le moment pour nous rentrer dans le dossier sécurité. Et la police fait gros courrier dans le balai. Nous prenons le balai ensemble avec la Rose. Il y a une façon pour nous connaître comment le département s'est levé. Et non seulement ça, tout comment ça y est, dans la ville Inche. Bonjour la Rose, comment la vie est, garçon? Bonjour madame Foucault, nous en forme. Et bon côté pour nous expliquer, ok? Yes, nous en forme, garçon, depuis ces opérations qu'a fait ces sécurité, mon cher, nous en forme. Comment ça est dans le département centre? Bon, dans le département centre, faut que nous dise que l'actualité à lui-même, l'appel à une, bonne capable de dire information en pile dans le département centre, mais on a commencé Inche levé très calme. Eh ben, population lui-même l'a battu librement avec activité personnelle lui. Et faut que nous dit banque a préparé la vie ouvri pour capable bail clientèle de service tout petit monde sous bon l'école dans moment que n'a parlé là mais pas qu'il y a question transport lui-même li est au point mort parce que on connaît par rapport à cette décision que magistrat Lochalaguer lui-même li prend au niveau de mes balais pas gain transport machine justement pour que population capable rentrer au niveau de Port-au-Prince. OK, faut que nous dit matin là n'a descendre rapide. Mais en autorité au niveau de ville Inche, faut que nous dit gagner organisation Obosa dans tête collée avec Beckenbauer Arena avec Jean Junior GIA, faut que nous dit que monsieur ça aussi des citoyens notables dans ville Inche, où qu'on est après gros manifestation qui t'a demandé départ et PM Ariel Henry dans quatre manifestations 6-7 février 2024 yo, et ben nous connaît la mairie de Inche qui est passée en bas pour les populations en bas flamme du feu. Mais il faut que nous disions que gagner Obosa, qui est une organisation avec Beckenbauer Arena, Jean-Junior Gia, et bien, eux-mêmes qui décaissaient 96 000 gouttes pour être capable de réhabiliter la mairie de Inche. Okay. À un moment que nous parlons là, la mairie de Inche lui-même, il a pas passé, mais la donne pour voir comment la mairie elle-même était capable de refonctionner. Nous prenons le descendre rapide pour nous tomber dans la ville Mirbalet. C'est la grosse cause, c'est la information chita ces derniers temps. Il faut que nous disions, mais en bas, dans le moment que nous parlons de la Foucault, porte l'école a ouvert depuis hier. Faut que nous disions, hier, en plus, tout le monde n'a pas de prendre chemin à l'école. Mais je dis, il y a plus ou moins, il y a plus de monde qui allait à l'école. Mais faut que nous disions, devant banque, là, au niveau de mes valets, pas gagné en pile monde. OK? Mais gagné quelques machines qui absorbent en direction de Belader, tant que gros forage, gros camion boiteux, justement, qu'elle prend marchandises au niveau de frontière, là, dans zone que les Caïmans, côté, dans la ville, et Mirbalet, dans la minute, qu'on a parlé là. Mais, question transport, tant que Gaouti, elle a toujours été fermée, par des machines qui sautaient au niveau de Mirbalet, pour prendre direction pour le point. Celle difficulté qui gagne, on t'a rappelé, nous, que, par rapport avec décision magistrale Lochalaguer, des points pour te fermer ville là, je dis, c'est seulement chauffeur moto, qui, au même, a fait quelques réticences qui pavlaient, en quelque sorte, d'aller rentrer dans le cadre formel, l'ordre là. Mais tout simplement, toute machine, tout chauffeur, tout business, toute institution, ils même ont coupé en bas décision, parce que ils ont dit, c'est une meilleure décision que magistrat Lochalaguer lui-même était capable. Il était capable de prendre, disons. Par rapport avec Voice, que Jeff Canaran lui-même était sorti contre magistrat Lochalaguer, eh bien, faut qu'on dise que société civile a gagné
et yon backup qui est le backup ferraille. Backup ferraille là, c'est membre dans la société civile là, avec yon organisation qui le repose. Eh ben, yon même, yon campé, yon fait forcing des magistrats Locha la guerre. Yon dit magistrats Locha ou pas gen pour peuple ensemble avec vous, population ensemble avec vous, eh ben, n'a pas campé de yon, n'a bloqué mi balè matin, midi soir, ou pas besoin de tout problème pour moun kap parler, nous même nous campé ensemble avec vous. Eh bien, il y a une grosse opération qui était faite au niveau de Miambalé. Il y a un avion qui était chef de pont cheval. Lui-même, il est tombé avec plusieurs autres acolytes. La police saisit les armes et puis arrêté deux femmes, nous allons citer nos familles tout à l'heure. Depuis quelques jours, eh bien, une unité spécialisée dans le PNH, là, dans le cadre d'une grosse mission spéciale, dans le cadre d'une grosse mission spéciale qui est déployée dans la commune de Miambalé, surtout dans la zone de Terre Rouge, pont cheval, et ben dans qui trouvé dans département centre dans bas plateau et ben objectif mission ça c'est justement pour capable river déloger pour aider des gangs avec individus qui a terrorisé population et bien hier gagné opération qui était menée avec agent Utag Idmo Louet Idmo centre Idmo Miambalé avec monsieur Bessapio et ben qui yo même engagé ou dans opération la journée ou la nuit yo capable démobiliser et puis yo capable en quelque sorte mobiliser les ressources nécessaires pour yo capable déloger gang. Et ben dans cadre opération ça plusieurs bandits ou même tombé en bas là en bas balle la police bien chef gang son cheval là qui c'est Janès Joseph alias et nous capable dit avion et puis le monsieur c'était général là gagné capo gagné et lieutenant qui lui même tombé tout monsieur les Kenoa et monsieur tombé mais information t'a fait quoi Kenoa c'est à qui fouet et en quelque sorte avion en fait lui-même l'idée et ben il y a un membre dans société civile là et ben yo même qui campé et pour te mener opération ça la police jambe de tout là saisit plusieurs armes et puis il y a Woodline Remy avec toute en quelque sorte Woodline c'est deux sœurs yo t'a dit mesdames Saoué et mesdames Saoué c'est eux-mêmes qui t'a fait manger pour gang yo au niveau du fond cheval et ben ça qui passé pour cavalier depuis hier soir en pile détonation en pile cartouche et continuer à tirer et dans zone là et faut que nous dit matin là semble-t-il que tu as plus bandits qui sorti au niveau de Canaran venir renforcer bandits qui t'ai pété courir pas ta résister en bas en quelque sorte assaut la police avec Bessap et ben faut que nous dit dans minute que n'a parlé là depuis hier gain radio RCFM au niveau du Miambalé qui eux même avec toute backup société civile là qui lancé un marathon. Yo lancé un marathon justement pour capable soutenir mouvement, soutenir opération qu'a fait dans fond cheval là parce que le responsable la police là t'a dit que yo pas gagné assez de moyens pour kembe policier yo dans mouvement opération, c'est 3 jours seulement et yo capable en quelque sorte kembe et ben société civile là même yo dit il y a fait marathon ça pour supporter opération la police là avec Bessap jusqu'à ce qu'on joigne un résultat final yo même yo dit yo pas baisser les bras. Intéressant. Eh bien, d'où Foucault, c'est toute information ça, qui même fait la une de l'actualité au niveau du département du centre. Eh bien, c'était Samuel Larose, depuis Henge, au plateau central, pour TAC 500. Ma contre, pas une question. Non, pas une question, nous, Matal, continuez à bousquer information, parce que faut que gang yo déraciné net dans le département centre là. Nous déjà gué trop territoire pour nous prendre, nous pas qu'à continuer à quitter territoire yo, à perdre. Merci, garçon, passez bon la journée. Ok, mais. Avant nous aller, faut que nous t'a en quelque sorte réagir sur ça, c'est par rapport avec études université et États-Unis en même les sorties sous durée qui a bail problème dans pays d'Haïti. Exactement. Mais quelle population a posé journée aujourd'hui à madame Foucault, mais qui ça nous prend? Qui côté nous garde? Mais qui ça nous prend là? Pour l'aide qu'on est que haïtien considéré durée comme plan national haïtien et c'est tout haïtien qui remet durée. Mais qu'on y en a étant donné que population même yo convaincu que pas gagner l'état. Pas de monde qui est capable de prendre soin de nous, c'est nous-mêmes qui pouvons veiller sous tête nous. Eh bien, ils ont demandé pour que tout paysan, eux-mêmes, ils retournent vers la terre pour nous regarder comment nous faire production nationale, la vignon réalité. Tout bon vrai pour nous planter patates, planter manioc, planter yam, planter bananes, pour nous suspendre manger du vin. Parce que je veux dire, à pays qui dit aux ses amis nous, eh bien, c'est eux-mêmes qui ont pété fiel nous. Et question qu'a posé de membres de la population, qui pour nous voir une vidéo ça vous, eh bien, ils ont dit, pour qui ça, États-Unis qui dit que c'est un mi-pays d'Haïti, eh bien, c'est eux-mêmes qui mettent des substances nocives qui pour péter fiel à Haïti en bas en série de gros maladies. Et pendant ce temps, ils disent aux amis, ils disent que c'est le moment
pour que Haïtien capable retourner vers la Chine, pour que nous capable retourner vers Taïwan, justement pour que nous capable faire coopération serrée ensemble avec eux pour nous capable bailler États-Unis vague parce que eux dit du américain a touyer a pété fiel. Merci garçon, n'a continuer kembe.